Alors maître, l'audition s'est passée dans une atmosphère très calme, très courtoise, parfois même avec beaucoup d'humour. Mais là, ça s'est réduit pour l'essentiel à des questions posées par monsieur le juge et au refus de répondre de monsieur Carlos. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il refusé ? Il a posé au juge, il a informé le juge qu'il avait saisi la chambre d'accusation ce matin et que ses arguments sont les suivants. Je suis devant vous, mais à quel titre? Il a questionné sur ses différents voyages. Carlos n'a pas répondu. À cause de son... Oui. Ah, il s'est défini comme un révolutionnaire professionnel, avec toutes les obligations que ça implique pour lui, y compris des actions militaires. Mais quels dossiers ont été évoqués? Le seul dossier de la rue Marbeuf. La rue Marbeuf. Est-ce qu'il a été mis en examen pour un autre dossier? Non. Non. Et de la justice, vous ne craignez rien? Je ne crains qu'une chose, c'est que le ciel me tombe sur la tête. On a déposé une requête à la chambre d'accusation ce matin. J'espère que nous aurons gain de cause, puisque je pense que c'est conforme au droit. Si par surprise, ce n'était pas le cas, nous irions devant la cour de cassation par un pourvoi immédiat. Et là, nous pensons avoir raison, mais si la cour de cassation n'avait pas la même conception du droit que nous, nous irions à ce moment-là devant la Cour européenne des droits de l'homme.